Zélie, hein, qui a quel âge, monsieur Depuit? 2 mois et demi. 2 mois et demi, et donc qui a son arbre ici planté près des chats-huants. C'est un beau cadeau quand même. Tout à fait, on trouve que c'est bien que justement un arbre pour chaque enfant. Oui. Déjà celui de Suzy au Bois Laurent. Oui. Donc, c'est pas très loin de chez nous non plus, vu qu'on habite au chat-huant, et avec celui-là, ben, on pourra faire des balades pour voir les deux arbres. Voilà. Tout à fait. Et vous allez venir le voir régulièrement. Voilà, tout à fait. Dès qu'il fera beau. Une naissance égale un arbre. Et c'est sur ce principe qui avait été créé à l'époque par mon collègue Roderick, ici présent, que je remercie sincèrement pour cette superbe idée. Nous avons planté déjà depuis plusieurs années quasi 800 arbres. Pour vous donner une idée, c'est assez spectaculaire, parce qu'à cette échelle, ça devient carrément une forêt. C'est vraiment impressionnant. Et grâce à vous, grâce à votre participation, cette année, nous allons encore planter 51 arbres. Donc c'est vraiment pas mal. Pour votre information, cette année, ces arbres seront plantés à l'entrée de la rue Gustave Charpentier. Donc c'est un beau symbole pour nous, pour l'environnement, et puis aussi pour voir que l'enfant puisse voir pousser son arbre. Il sera comme ça attaché aussi à sa ville. Voilà, très très bien. Voilà, c'est bien. Voilà, parfait. C'est ce qu'on appelle la forêt primaire, c'est-à-dire celle qui normalement n'est pas souillée par l'homme, ou qui a au moins 7 siècles pratiquement de virginité, elle est quand même fortement menacée. Et si la forêt primaire est fortement menacée, c'est notre propre avenir d'être humain, et donc l'avenir de nos propres enfants, qui est extrêmement menacé. Et donc planter un arbre, il ne faut pas que ce soit simplement un alibi, il ne faut pas que ce soit accessoire, il ne faut pas que ce soit le petit truc gadget, vous savez, ce qui clignote une fois de temps en temps. On le plante, puis après on n'y pense plus. C'est vraiment faire un acte de foi. C'est vraiment croire que l'avenir est possible à partir du moment où on respecte la nature. Et ça représente c'est la pérennité, là. Enfin, c'est l'espoir d'une longue vie avec un avenir grandissant. Un avenir grandissant, oui, absolument. On essaie de montrer régulièrement pour le suivre. D'accord. Tout au long de sa vie ou presque, c'est resté dans la région. C'est le premier arbre, donc le premier enfant. Oui. Oui. Bon, bah écoutez, il est encore plus beau alors. Voilà, on espère bien peut-être une petite forêt à terme. Un arbre en moyenne, c'est 600 mètres carrés de feuilles qui vont absorber le gaz carbonique et qui vont créer de l'oxygène. C'est-à-dire que l'arbre, c'est notre principal allié. Or, le paradoxe incroyable, mesdames, messieurs, c'est qu'un arbre, on ne le respecte pas. On va, par exemple, planter un truc dans son écorce. Alors, on sait que c'est pas bon d'aller planter un truc dans son écorce avec un parcours. On va aller graver des initiales. Alors, on va le faire souffrir. Un arbre, c'est un être vivant. Est-ce que vous savez qu'on trouve, en haut d'un arbre, ce qu'on appelle la canopée, on trouve 5 fois plus de molécules actives, c'est-à-dire qui vont nous aider pour les laboratoires pharmaceutiques, à trouver des substances qui vont nous guérir ou nous soigner, 5 fois plus de molécules actives qu'en bas. Ça veut dire que la forêt primaire, elle est essentielle pour notre propre survie. Une belle symbolique, effectivement, oui. De l'image de la nature comme ça, qui évolue, qui grandit au rythme, je dirais, du temps et des saisons. Oui. Et je trouve que c'est une belle représentation de ce qu'est un petit enfant de nos jours, effectivement. On le grandit, on le chapote, voilà, c'est intéressant à voir. Et puis quand il sera en âge de comprendre, eh ben, on lui redira qu'effectivement, c'est entre guillemets son arbre à lui et il pourra aller voir quand il le souhaite. Et effectivement, ouais, ça sera régulier, je pense. Planter un arbre pour faire un enfant, ça relève absolument de la même logique. On ne fait pas d'enfant si on ne croit pas en l'avenir. On ne fait pas d'enfant si on ne pense pas que cet avenir, il a un avenir possible. Mais un avenir humain. Pas un avenir tel qu'on vous le profile, pollué et avec plein de difficultés. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est croire en l'avenir et c'est espérer que demain on puisse faire changer les choses là où on est. Et donc, c'est le message que vous porterez, j'espère, à vos enfants. Il n'y a rien de plus fort que de se dire il y a un arbre qui m'est attribué. Il y a un arbre qui correspond à la nature. Et dans 30 ans, j'irai voir mon arbre. Très, très symbolique. Oui. La plus grande et on avait très apprécié et heureux d'être à nouveau là. Oui. Pour la petite puce qui pourra aller le voir comme la grande qui va régulièrement voir son arbre. D'accord. Hein, voilà. Léa, tu vas
peux avoir ton nom. À un moment où nous réformons les rythmes scolaires, dans la difficulté, dans la peine, je le concède. Enfin, il faut le faire, nous sommes des républicains, on met en œuvre. S'il vous plaît, soyez des vrais éducateurs. On n'est pas là pour moraliser, mais nous, on est au bout de la chaîne, vous savez, les maires et les élus, comme les enseignants, qui tous les jours constatent les ravages de l'enfant roi. Vous savez, celui à qui on concède tout, qui n'a plus de repère, qui n'a plus du tout en face de lui d'autorité. Je le sais que vous l'êtes, mais soyez des parents qui assumez votre autorité, qui, à un moment donné, vous êtes en capacité de dire non, parce qu'il va se grandir par rapport à ça, par rapport à cet acte fondateur de vos parents. Donc faites-nous, produisez-nous, faites-nous grandir des enfants qui seront en capacité, demain, d'être des citoyens, des vrais adultes. On avait décidé de prendre un prénom basque, comme son aîné. Oui. Et puis c'est tombé comme ça, c'est vrai, quand on a reçu l'invitation, on trouvait que ça tombait bien. Planter d'accord. Un arbre pour Yann, c'était symbolique. C'était vraiment sympa. Alors, il faut savoir que vous êtes à Roncq depuis peu, hein, depuis quelques mois. On est arrivé au mois de juillet cette année, et on trouve qu'effectivement la ville est très dynamique. Oui. Et comme l'a souligné Lucie, l'initiative par rapport à l'arbre planté, pour nous, était relativement importante. C'est pour ça qu'on est bien présent aujourd'hui, et on remercie effectivement. On va suivre de près cet arbre qui va être planté juste pas très loin de notre domicile, puisqu'on est à côté de chez vous, et donc depuis votre chambre, vous allez voir l'arbre pousser, hein, c'est un peu ça. Exactement. C'est un petit peu ça. Pour pouvoir nous évader. Dans les rues, la pollution nous oblige à faire attention. On veut seulement respirer en paix, alors les chantiers du balai.